Pour eux, le réveillon ne se déroule pas comme ils l'avaient souhaité. Monique, la cinquantaine révolue, avait tout préparé pour passer un Noël en famille. Toute la famille était là, mais on a dû venir parce que, vu son âge, on ne pouvait pas dire qu'on dormait ainsi sans savoir la raison pour laquelle il vomissait et avait de la fièvre. Malheureusement, c'est aux urgences du CHU de Libreville qu'elle passe son réveillon. À partir de 15h, on a constaté, on est allé à Égypto, mais là-bas, il n'y avait pas de pédiatre. Donc, on s'est dirigé ici pour au moins avoir une consultation pédiatrique. Même rengaine pour Sheina, venue accompagner son père. Ça fait pratiquement une semaine, il se plaint de douleurs au thorax et au dos. Donc on l'a amené au CHU Lovendo. Il y a 2 jours de cela, nous sommes sortis. Et en revenant à la maison, on constate que les douleurs s'accentuent de plus en plus et il s'affaiblit encore. Pour les agents du centre hospitalier universitaire de Libreville, réveillant ou pas, le service des urgences est toujours prêt pour prendre en charge tous les cas médicaux ou d'urgence. Le service des urgences est organisé toujours de la même manière. Hein. Voilà, il y a les médecins qui reçoivent des patients, les médecins généralistes, les médecins résidents qui sont en spécialité. Il y a également des internes qui sont là. Voilà. Donc, nous assurons Noël comme un jour habituel. Bon, étrangement, ça a l'air un peu plus calme aujourd'hui. Voilà, les jours de Noël, dans les années précédentes, il y a souvent de l'affluence. Noël, fête de famille, peut parfois se dérouler dans des lieux improbables. Ici, au centre hospitalier universitaire de Libreville, ils sont au moins une dizaine de familles à passer un réveillon pas comme les autres au service des urgences.